22. Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 70 de Baldur's Gate. Ouais, chez nous autres français 70, hein. En 70, c'est bien. Hello. Oui, bonjour. Et on va aller investir dans des feux d'artifice. Moi au sud. Tu peux m'envoyer valser, tu peux me porter et me trop quelque part. Tu veux que je te soulève? Ouais, mais je suis bugué. Allez. Tournez même. Je suis bugué. Alors, attention, je ne te jette pas sur quelqu'un. Hop, par là. Deliverou, hop là. Ah, oh, des gens qui sont morts ici. Il y a des gens qui sont morts. Putain, ça a pas marché, c'est toujours, je suis toujours bugué. Bonjour. Pourquoi je suis bugué comme ça? Je viens de te soulever et je viens de te lever. Ouais, mais tu vois, ça me dit que je suis en dialogue alors que, bah, en fait, non. Est-ce que je peux pas te ressoulever encore? Bah, après, je peux te faire avancer jusqu'à l'objectif, mais. Oui, mais ça m'enlève des PV, non? Oui. Ah bon, bah oui, mais. Au pire, il meurt, c'est pas très grave. Putain, on commence sur un bug, let's go. Je peux pas de TP. J'étais bugué comment? Attendez. Oh là, ça va mal se mettre là, il y a des escaliers, mec. Non, mais attends, mais j'ai quitté. Katox, ça devrait peut-être faire quelque chose sur mon perso si je suis plus là. Bah, si le nain a la tête te balancer partout, oui. Mais en fait, je ne l'ai pas balancé, je. Et en attendant, je vais essayer de rejoindre. De toute façon, vous avez pas besoin de moi pour. Mais bon, il se meut, il se déplace! Il se meut, j'aime bien. Non, mais. Alors, Non, mais laisse-moi me déplacer parce que j'étais censé causer à un gars, je crois. Peut-être qu'il va vers le gars à qui je suis censé causer. Mais hey, tu peux arrêter s'il te plaît parce que maintenant c'est moi qui bug, j'arrive plus à me lever. Hein. Ah non. Ah ça y est, c'est bon. Parce qu'il faut que je fasse les échanges de perso. Et est-ce que c'est là? Tant de skills, tant de préparation. Ah merde, attendez, vous êtes parti. Vous y attendiez pas, très cher viewer, et pourtant. C'est sous vos yeux ébahis. Et oui. Sous vos yeux ébahis. A-E-I-O-U, je suis un robot. Salutez-moi, Nono, le robot. Mais maintenant il veut même pas me rendre mon perso. Au moins, ça me saoule. Pas avec nous. Ah voilà. Attends, alors tu sais, j'ai. Tout de même. Let's go, je peux me mouvoir, super. Il se meut. Un être doit être conscient, c'est en plus qu'il est capable de se déplacer. Ah, mais il y a des morts ici, bonjour. Attends, mais on est. Il y a une super porte, il y a une porte métallique renforcée dans ce truc, ça a l'air incroyable. Attends, Blackboard. Ah oui. Ah. Est-ce que tu peux te déplacer? T'es dans l'entour. Merci. Et tu trouves que je suis trop solide? Que je fais bien la porte. D'ailleurs, je ferme la porte. Hop là. Excellent. Now remember, Falokia's fireworks accepts no liability for singed nails, toted eyelashes, loss of limbs, scalded torsos or blown off heads. You there? What can I do for you? You feel an all too familiar squirm in the recesses of your mind. He has a tadpole. Ooh. A fellow friend of Gortash. Praise the absolute. I have a special sample available just for you, if you wish. Moi aussi j'ai un feu d'artifice pour toi. Aha! You must be Arthur's friend. Keep your voice down. Yes, yes. He's just upstairs. But only one flight. If you get to the top, you've gone too far. Browse as irresponsibly as you like. Just don't tell the other customers. Voilà. J'ai inquiété de me dire que je mets des gants qui font du feu dans un magasin de farce et attrape. Peut-être que c'est pas la meilleure des idées. Ça passe. Ouais, tu penses. Il y a une trappe aussi hein, à côté. Ah, on dirait qu'il monte à l'étage. Pour le gosse des rues. J'ai trouvé une clé de réserve. Oh, mais ils ont plein de feux d'artifice, c'est incroyable. Oui, c'est pour ça que je suis pas très serein d'avoir des gants de feu. C'est stylé. Katox, tu voudrais pas acheter un tchak? Ou ça, quoi? Pourquoi est-ce que tu veux acheter quand tu peux voler? Moi, parce que je sais pas. Just remember the top floor's off limits. Alors on est au premier étage mais... T'as encore tes points qui toi Ah t'es bien 13. Je les ai tous. Bah comme j'ai... Ah oui mais t'as respect, ouais c'est pour ça. Ça me les a rendus. Et là Katox avait pas besoin d'un short rest.
Quoi? Si tu veux faire un short rest, hein, si t'en as besoin. Bah, moi ce que je dis, c'est juste toutes les compétences qui sont en short rest et mes dés de supériorité sont toutes. Et tout ça, c'est de la bouse. Il y a vraiment rien d'intéressant ici. Par contre, si jamais il y a une trappe au sous-sol, enfin il y a une trappe qui mène au sous-sol. Mais il y a la clé de la réserve, mais elle est pas disponible. Il y a le garde et elle est pas contente. Et on peut passer là? Ou alors on fait encore un meurtre de robot. Je suis encore un robot? Non, murder robot, je crois qu'il a dit. Ah, pardon. Ouais, murder robot. J'ai compris en voix de robot. Donc il y a une trappe, mais elle est rouge. Ouais, je vais l'ouvrir, vous en faites pour. Oui, alors t'es. C'est à moi, mais t'es pas devenu invisible. Mais si. D'accord. Regarde. Tu veux? Je suis invisible. Attends, vas-y, j'essaye. Ah ouais! Moi aussi, je suis invisible. Je beat the night. Allez hop, premier jet de la soirée. Un réussite critique. I'm invisible. Du coup, qu'est-ce que je devais acheter au... Qu'est-ce que je devais acheter au monsieur? Non, mais rien du tout, t'embêtes pas. On descend ou pas, alors? Oui, mais il y avait un mec qui est passé dans le coin, là, le Robin Flamèche, là. Ah ouais? Bah paf! Oula, attendez, pourquoi il y a un garde d'acier, là? Quoi? Pourquoi attitude moins 5 sur Adarine, là? C'est quoi le délire? Je sais pas, il y a un truc avec un chat. Il y a un chat qui s'est fait bolos. J'ai rien fait, c'est pas moi. Alors les mecs, je suis dans la cave. Oh, je suis descendu, hein. Je bide en bas. Oula! Il y a les feux d'artifice. J'ai pris une caisse de feux d'artifice. Ouais, moi aussi, t'inquiète. C'est incroyable, 8 à 48, tiens, je te l'envoie. C'est lourd, alors. Moi, j'ai 4 caisses de feux d'artifice. Ah, je l'envoie sur un ennemi et ça lui inflige Color Spray. Faites gaffe, il y a des pièges. Ils ont plus pour marcher dessus tout de suite. Oh, bah, je pense que ça va tout faire péter alors. Il y a une porte à double battant qui est verrouillée. Eh, ça, en fait, ça aveugle les ennemis donc. Oula, je l'ai fait. Ouais, par contre, faut faire gaffe s'il y a eu un radius, ça peut aussi nous aveugler nul. Ok, là j'ai plus l'impression qu'il y a des pièges. Bon, il y a un coffre par contre. Mais... Tiens, moi aussi, je peux lancer des boules de feu, regarde. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai lancé un feu d'artifice. Genre une caisse de feu d'artifice ou juste non, un feu d'artifice? Juste un feu d'artifice. Tu veux que je lance une boîte de feu d'artifice pour voir ce que ça fait? Non, mais on va se calmer par contre, les mecs, parce que bon, les torches, peut-être qu'on en a pas rien à faire. Là, Oh ah, ouais, d'accord, 26 la caisse de feu d'artifice. J'en envoie au camp. Putain, on va s'improviser spécialiste pyrotechnicien. Ah bah super, j'ai cliqué sur la porte. Et alors? J'arrive. Bah, ça m'a TP dehors. Ah bah y'a plein de caisses de feux d'artifice en fait. Vamos a la playa, a mi me gusta baila. Hein. C'est le rythme de la noche, sous la fiesta. Hein. Ouais. Baila. Par cœur. Ben ouais. Gars, j'ai été chef scout, hein. J'ai été chef scout de midinette de 14 ans, je peux te dire qu'à l'époque c'était la chanson. Vous avez tiré la chevillette qu'il y avait là? Parce que je vois qu'il y a un levier derrière les... J'ai rien tiré du tout. Ah bon, bah je vais tirer le levier alors. Tire le levier, Kronk. Ah bah ça va ouvrir la porte qu'elle a, non? Lever. Paf. Oh. Oula, attendez, il y a des pièges. Kronk, il y avait une bourse et personne l'a prise. Là, il y a un fil. Bah, c'est-à-dire que vu la quantité de tonneaux derrière, peut-être mieux de... Ah! Ouais, hein. Tu penses que ça peut créer des problèmes? Mais comment t'as réussi à re-rentrer alors que moi, je me suis fait juste gauler par le garde? Parce que t'es mauvais. Attends, t'avais juste à tirer sur la ficelle et c'est juste pour nous permettre d'accéder au tonneau? Ouais, mais vu le nombre de tonneaux... Allez, 22 à 34, hein, le tonneau, il est aussi lourd et... Ah, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, j'ai trouvé quelque chose d'indispensable. Waouh, un fromage pourri. C'est un passage secret. Bah après, en vrai, les tonneaux, on ne joue plus avec, donc... Oh, oh. Ouais, c'est tonné de poudre à canon, quand même. Hein. C'est une touque, quand même. En vrai, c'est... Ça
Ça me manquait pas de faire de la manutention, vous savez, hein, donc pas besoin de me faire trier les tonneaux. Hein. Bah, t'es pas trié, on sait que tout est chez toi. Oui. Est-ce que je veux. Eh putain, mais. J'ai l'impression que c'est pas vraiment ici qu'on doit aller. Ah, il se bourre la gueule encore. Oh. Eh, mais là, il y a plein de feux d'artifice. Tu veux des feux d'artifice? Où c'est? Ah, dans une vitrine que j'ai. J'ai trouvé 3 Pop Drakes, j'ai 3 Woglims, j'ai 3 Squid Jeans. Ah, j'ai la vue du dessus, je sais plus comment on la désactive. Vas-y, tiens, pif, je t'en envoie Katox. Alors, vous êtes passé par où? Parce que par la porte, la Double Doors ou... Non, on est remonté. Bah oui, mais en même temps, il m'a dit qu'il était pas content parce qu'il m'a vu sortir. Attends, parce que moi j'ai activé la vision tactique, je sais plus comment on l'enlève. Pour moi du coup. Comment est-ce qu'on enlève la vision tactique? C'est haut, la vision tactique. Ah ouais, voilà. Ah. Je vous propose d'essayer d'aller à l'étage. Alors moi j'y suis, je suis censé être en dialogue. Mais je suis pas en dialogue. Ah ouais? Tu parles mais tu parles pas. Je peux parler avec Clark Tamara. Quelqu'un peut me débloquer. Si tu cliques sur la petite. Tu peux pas cliquer sur la petite croix en haut à droite? J'ai pas la croix, je suis sur l'interface classique de. Ah, mais ça doit être comme. C'est comme moi tout à l'heure, Arda, ça doit être le même bug que ce que je viens d'avoir au début de l'épisode. Ok, alors je vais mettre l'enregistrement en pause et je vais revenir. Nous on va tenter de tuer personne d'ici là. Mais. C'est dommage qu'on puisse pas passer par là. Non, si j'avais pas respecté que j'avais le vol. Hein. Moi j'ai le vol. Ah, franchement, ça me tente de. Si prochaine bagarre, je mets toutes les boîtes de feu d'artifice par terre et YOLO. Bah, le boss final du jeu, on vide tout le stuff des tonneaux qu'on a. Oh ouais, ça va peser trop lourd. Je pourrais pas prendre autant de tonneaux. Ou alors, c'est, ouais, on se charge la gueule de tonneaux et. Et let's go, quoi. Ouais, par contre, j'espère que pour le boss final, il y aura le Dabogabi, quoi. Dabogabi. Ah, si avec ça, on pourra le chanter, hein. Buda. Les paroles sont hyper complexes. Comment vous faites pour. Tu peux pas tirer sur la corde, moi. Vous arrivez à. Non, je suis en train d'essayer de regarder par où est-ce qu'on pourrait passer, mais. En gros, de toute façon, il y a un mec sur la corniche du dessus, en fait. Dans tous les cas, c'est niqué, quoi. Ah. Hop. Oh non. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de résoudre cette quête. Bah, fouiller les feux d'artifice, on n'a pas suffisamment fouillé. Alors, peut-être pas au bon endroit. Bah, faut peut-être monter à l'étage, mais Le truc, c'est qu'on est. Ils nous voient les mobs là. Après, à tout moment, on les bute, hein. Ils ont tout de suite 2 PV et demi, hein. Bon, moi, je suggère des choses. Attends, je vais tester un truc. Le journal de quête, il nous dit quoi? Fouiller. Il nous dit. Fouiller les feux d'artifice. C'est pas en parlant aux vendeuses qu'on obtient. On a bien parlé aux deux. Mmh. Il nous dit qu'on a besoin d'un autre chemin pour aller jusqu'à l'étage supérieur, néanmoins. Après, l'étage supérieur, moi je te dis, on bute les deux vite fait et fin. Hein, mais bon, j'ai peur que ça déclenche le combat avec les gens en dessous. Quoi. Ah, si vous voulez, moi j'ai une technique, une stratégie purement invisible, hein, bien sûr. Ah ouais? Parce que la discrétion, c'est mon fort. On les bute. Je balance une flèche des ténèbres. Hein, juste, ouais, on les bute. Vous voulez dire on essaye les feux d'artifice? Alors attends, je vais me décaler, mais oui, si tu veux. Ça sera juste, bon, voilà, c'est pas une attaque directe, c'est. Tu veux que je tire dessus? Ouais, vas-y, petite boule de. Une boule de feu. Ah, si y'a ça, je peux faire un trait de feu, c'est gratuit. Qu'est-ce que ça? Mais. Ça va pas marcher. Bah, il faut faire du feu. Hey. Bah, je pensais que. Mon arc il fait des dommages de feu, je me suis dit ça marche là. Elle empêche. Ah bon.
Ah. Oh ça va, il en reste une. Eh, t'imagines, t'aurais pas cassé la caisse. Attends, regardez. Oh non. Eh, comme, franchement, infiltration, je pense qu'on est bien. En toute discrétion. Faut vite faire avant que les gardes arrivent. Ah. Bon. Alors, il y a eu un petit accro. Il y a des gens en haut ou pas? Oui, attends deux secondes. N'avancez pas. Et pourquoi tu t'avances alors? Parce que j'ai testé un truc. Attends, je vais juste regarder ce que tu fais. Il s'éloigne quand je voulais les heal. Ah! Peut-être que si je me mets là. J'ai full loot hein, si jamais les mots. Ça a été expéditif, j'ai vu beaucoup de gens mourir. J'ai vu beaucoup de chiffres. Ouais, voilà, parce que moi j'ai pas la vision de l'étage du dessus, j'ai juste vu les explosions. Ah, c'est pour ça que je suis monté, je voulais voir ce qui allait se passer et bon, c'était rigolo. Bah, c'est bien. Je vais descendre, buter les mobs en bas, moi. Est-ce que je lui tire une flèche dans le genou? Comme ça, il. Comme ça, il pourra plus jamais partir à l'aventure. Ouais. Exactement. Et je veux pas. Oh, il est trop loin. Moi, je peux lui tirer une flèche. Oh, attends, la flèche de force, ça le. Ah non, ça le repousse pas. Bon, il reste qui? En fait, j'ai. Ouais. Faveur, capture d'âme? C'est quoi ce truc? Un autre joueur est en train de choisir comment réagir. Mais capture d'âme? Genre, t'es sûr que t'as encore manque, toi? Toi aussi, tu te poses des questions? C'est pas trop. C'est quoi ça? Fais quelque chose! Oui! Et voilà. Attends, bah moi j'essaie de. Ah oui, c'est vrai, je suis bête. Paf! Ah, c'est un échec. C'est tout ça pour ça. Bah ouais, je savais plus comment ça marchait le. Ah hé hé! Tiens. Il y a quand même la patrouille avec les gardes et tout qui sont vraiment. Ils ont vraiment hésité à rentrer quoi. Ouais, en vrai. Qu'est-ce qu'il y a à faire encore lui? Oh t'inquiète. T'inquiète, ça passe. Est-ce que tu veux que je t'avance un peu? Non non mais vraiment je vais pas te faire de saloperie. Vas-y. Allez. Livraison, tchut. Voilà. Ah merde, mais ça, ouais, oui, c'est pas en feu. Ben non, c'est parce que j'ai mon sang explosif. Ah bon? Bah oui. Rappelle-toi, j'ai mon sang qui explose. Ah mais non, mais t'es pas enflammé toi, ça va. Allez, non, non, non. Comme ça, si jamais le mec dans son petit labo là, il veut sortir, tu. PAF! S'bé! Ouais, j'ai passé mon tour. Hein. Tu remarqueras que j'ai fermé la porte. Hein. Ah, j'avais déjà fermé la porte. Dans la porte avec le tapis dessus. Mais la porte d'entrée, je l'avais fermée. Hein. Ah si. Sachant que je l'ai fermé en descendant là, j'en doute. Avec le tapis dessus. L'avantage Melmir, c'est que c'est filmé, donc tu pourras regarder et voir que j'ai réseau. Ah bah tu pourras regarder aussi et tu verras que j'ai réseau aussi. Donc Ça se trouve, t'as des. Si, vous savez qu'il y a des PNJ. Il y a des PNJ qui ont la capacité d'ouvrir la porte. Hein, alors c'est pas juste parce que c'était exactement ce que je voulais faire et je trouve qu'il l'a fait avec plus de. Panache. Il a cassé la porte. Ouais. Il a cassé la porte, enculé. Eh, au moins on arrêtera de se battre là pour savoir qui c'est putain. Qui. Je suis déçu parce que j'ai fait un contre-sort et ça a pas suffi. Bon, okay. Hop là. Non mais l'avantage c'est que certes il a pété la porte. Mais les gars du poing enflammé et tout, ils sont passés devant et ils m'ont pas vu et ils t'ont vu par terre, ils étaient en mode bon c'est bon, on s'en bat les couilles. Le gars s'est suicidé, j'avais pas vu. Ouais, il est mort, comme un gros con. Comme un gros cax. Ils ont profité pour looter. Hein. Tiens, prends ça toi, vilain.
Je peux le finir. Hein. Oh bah termine-le, j'ai plus rien. Attends. On a vraiment cramé l'entièreté de la boutique quoi. Heureusement que le feu est pas réaliste. Hein. Ça monsieur, ça s'appelle une enquête. Oui, c'est ça, on va investiguer, bon, on rase le bâtiment et ça va plus vite. Quand tu vois que les deux corps à corps... C'est plus facile de trouver des preuves sur des cadavres. Oui. Les deux corps à corps, ils sont en pleine santé, les deux lanceurs de sorts, ils sont à moitié morts. Mais oui, mais j'ai pas réussi à counterspell, j'étais trop déçu. Eh oui. J'ai vu boule de feu niveau 3, je fais bah let's go, counterspell de niveau 3. Non, bon, mais ça va, comme ça on fera un petit short rest, on sera tous pimpants là. J'étais envoyé, enfin j'ai quasiment tout loot en bas, hein, du coup on a profité. D'envoyer à qui? À Katox, à toi, Arda, un peu tout le monde tant que c'était pas moi. Mais j'ai pas de caisse moi dans mon inventaire. Non, mais les caisses, si tu veux, il y a un gars qui a balancé une boule de feu, donc à partir de là, les caisses, oui, bon, il y en avait plus vraiment, quoi. Effectivement. On va pas te mentir. Ah, c'est... Que... Je pense avoir... mais... c'est allé assez vite, quoi, les caisses. Globalement, ça a fait boom. Gantelet noir, où va? Il fait. Eh, ça, ce sort, je le trouve vraiment cool. C'est dommage que. Bah, c'est dommage qu'il devait être counter parce que. Oh, stylé! Ouais, attends, t'inquiète. Je vais lui briser sa concentration, là. Bon, bah, j'ai rien dit. Ce! Oh! Tiens! Et mange-la, celle-là. Bon, j'ai tout loot en bas. J'ai tout loot ici. Ah, j'ai trouvé peut-être la note qui explique ce qui se passait, donc j'envoie ça à Radapaf. Alors, il y a des Blast Mines. Est-ce que je peux les prendre? Non. C'est embêtant. Il y a un gars qui est pas content face à mon Myrmidon. Il y a plein de petites bombes. Il y a des bombinettes. Et... Il y a une pouch avec rien dedans, super. Il y a Tox qui l'a vidé ça déjà. Il y a des mines à déflagration, c'est bien ça. Hein, bah, je les ai prises normalement. Ah non, les mines, j'ai pas pu les loot. Bah, déjà fallait la désamorcer. Et c'est pas toi qui voulais des sandales, là je vois des breezy sandals. Ah, je suis chaud, envoie. Ah, y'a mon Myrmidon de l'eau qui est buggy du cul. Ah ouais, non, elles sont pas ouf. Je crois que t'en avais déjà des exemplaires, je te les ai envoyés, mais je crois que c'est pas. Elles sont nickel, c'est exactement ce qu'il fallait. Ah ouais? Ah, c'est parfait. T'as vu à voir? Ça aurait été où? Hop là. Y'a mon Myrmidon qui est en conversation. Ouais, parce que les chaussures que j'avais avant c'était ça, et c'est quand même pas trop l'éclat. Ouais, quoi. Ça fait plus chausson d'intérieur, effectivement. Ah ouais, non, ça. Ça, ouais, ça fait bien. Ça fait spartiate quoi. Ouais, t'es belle. Petit short rest. Ah, au moins j'ai un flow quoi, il se passe quelque chose. Oui, exactement. Que bon, avant c'était un peu genre. Le mec qui. Putain, franchement ils me font peur là, les 4 points enflammés et le machin là. Est-ce qu'on se pack et on se soigne? Mais short rest. Oui. Un short rest, on va faire un short rest. Bon, un short rest, c'est bien, non hein? Oui. Et je vous propose de pour partir, on ne passe pas par la porte d'entrée, mais je vous mettez sur le bord près de moi, je fais un Feather Fall, et puis on se casse. Ouais. Non. On n'aura rien vu. Je suis descendu tout en bas, vous êtes relou. Mais non, tu viens de remonter. T'es en haut, t'es juste à côté de nous, mec. Bah non, je suis en bas, là. Il y a un décalage entre ta vie et la nôtre. Ouais, parce que là, je te vois descendre, en fait. Bon, short rest quand même. Oui, sans doute. Qui c'est qui lance? En vrai, le problème c'est qu'il faut clôturer la conversation de Myrmidon. Je suis en train. Ça va fail. Le Myrmidon, il est en train de parler. Il y a un mec dehors là. Mais il cause comment? Il fait blub blub ou... Ah, mais ça doit être à eux qui causent là.
Et c'est le myrmidon de flotte. Comment tu veux parler à ton verre d'eau? Ah. Encore? Mais c'est qui ce coup-ci? Mais c'est qui lui? Ah bah peut-être qu'il a pas apprécié qu'on fume toute la boutique. Par contre, ah, on est si loin, elle voulait pas, on passe notre tour, il va monter hein. Ouais, je suis d'accord. Oh. Oh. La flemme là. La flemme de descendre. Ah, il va avoir le petit comité d'accueil. Bon, on va quand même buter un garde hein. Mais même en utilisant foncé, il est arrivé que jusque là. Oh là là, ça va être si long. Ah ça. Sinon on peut lancer le nain dessus. Hein. Oh t'inquiète, je me jette moi-même là. Et ton myrmidon là, il a des spells limités sur le heal ou c'est à chaque tour il peut le faire? Chaque tour il peut le faire. Oh mais le goat. Mais en fait faut qu'on se heal avec lui, faut même pas se heal avec des potions là. Mais Non mais on est en combat, mets-le à côté de nous et on se heal là, let's go. De toute façon... Oh ouais, je vais pouvoir healer tout le monde. En avant là. Ça, on va faire un chantresse. Pas de repos court et comme ça il a pas de point de dé de supériorité. Il faudra peut-être quand même faire un repos court parce que bon quand même, il y a quelqu'un qui manque de PV. Et de points de sort, aussi. Not cool bro hein, not cool hein. Not cool bro. Ça ne compte quand même que pour un. Allez pas trop loin que je puisse toujours vous healer hein. Alors la technique était, on l'attend en haut pour qu'il vienne. Hein? Il va jamais atteindre des escaliers le mec, je sens. Parce que là il va faire un concours de tir à la... Ah non. Oui, il y en aura plus. Voilà, il me voit pas, c'est incroyable. Alors, Tu ne me vois pas. Et moi, qui n'est pas dans le rayon de heal. Mais enfin, tout va bien, il manque 5 PV, donc je vais m'en remettre. Ah, est-ce que je peux aller lui marave la gueule. Hein. Donc, bah, marave la gueule. Toi et Katox, c'est le principal. Hein. C'est vous deux qui avez... Allez, je vais lui casser la gueule. Bonjour. Au revoir. Bon, on peut faire un short rest maintenant? Ouais! Je clique! C'est bon, je t'ai mis des corps. Voilà. Ça fait du bien. Oh! Oui. Bon, je fais Featherfall. Oui. On se casse. Hop là. La maison a totalement éclaté. Attendez, mais là... Bah venez voir, il y a une porte. Bah oui. Est-ce que tu sais crocheter un mur? Bah écoute, manifestement oui. Moi je peux le crocheter. Manifestement mon personnage sait crocheter un mur. Et c'est ouvert. Hop là. Bah non, il est aigri le mur. Je sais pas où on est, mais une chose est sûre, nous y sommes. Putain, ça me fume. Manoir Philgrave. Tiens, l'art de la nécromancie, tiens, c'est pour Ardarin ça. C'est pour moi ça. Un bouquin. Venez, on... plutôt qu'ouvrir cette porte, vous voulez pas on va à l'étage? Moi j'ai vu les bruits, on ouvre cette porte, ça a l'air sympa. D'accord, j'ouvre. Oh! Attends, je peux le voler. Ah non, je peux pas. Eh, hey, c'est carcasse. Je le vole à la tire. C'est... Oh. C'est carcasse. Eh bien, c'est carcasse, c'est qui carcasse? Oh, la gueule du bâton, ça doit être incroyable. You. Do not have an appointment. Yet you seek an audience with Mr. Carrion. Ah, yes. Il a un flow de malade. A wanderer bearing the scent of death. You are familiar with the necromancy. C'est moi qui aurais dû lui parler. Ouais. Oui, mais bon, écoute, j'ai essayé de le voler, ça n'a pas marché, il m'a vu. Few books have the power to send a shiver through the living and the dead. Tell me, what did you make of its contents? J'ai adoré surtout le chapitre sur les licornes. You have not read it. Those with more sanguine natures are rarely attuned to the ethereal plane, or ready to receive its wisdom. Perhaps one day the book will reveal its secrets to you. Until then, there'll be a lot of things in its covers.
Exactement. D'accord. Oh. C'est des choses à neuf. Items of interest to those of a curious disposition. Oh, c'est nul. C'est nul. C'est pas si pire. Oh, il a plein de trucs alchimiques. Il a des sorts. Bon, Arda, il faut que tu ailles lui parler. Vachement surprenant avec une espèce de leech là. Seigneur Mommy. Ah mais non. Et dis-lui un. Small matter. I have an assistant, Thrumbo. A conduit I use to maintain my connections with the ethereal plane. Unfortunately, he has deserted his duties. He has not gone far, but given the sensitivity of his nature, I would prefer that he is not free to roam the city. Return Thrumbo's body to me, and I will see that you are suitably compensated. Had I thought you were the type to shout his name from the rooftops, I would never have offered you the job. Thrumbo is not alone in his ingratitude. He has led others in my service astray. Three of them, beggars and zombies alike. The others. C'est pas le Thrumbo's modicum of le mec qu'on pouvait buter, qu'on pouvait taper là. Il ressemble un peu quoi, mais c'est pas flétrice. The arrangement is made. They will follow your progress with great interest. As will I. C'est... Bon Katox, si tu veux aller lui acheter des trucs. Ouais. Le fameux zombie, c'est pas le gars du tout début là qu'on pouvait taper gratos? Bah, c'est ce que je disais, ouais. C'est exactement ce qu'il disait. Bah oui, mais j'avais pas compris le principe. Moi je pensais que du tout début qu'on pouvait taper. Sans lui faire mal, mais je pensais vraiment de l'acte 1, tu vois. Ah non, du tout. C'est beaucoup de zombies qu'on peut taper sans le faire mal. Je te vois en arrière-plan en mode. Je suis la nuit. Alors. Parchemin de brume mortelle, cercle de mort. Parchemin de mauvais oeil. Il y a des machins qui concentrent et qui sont pas trop. Qui sont des AOE ou des trucs tout nuls qui coûtent pas cher, je veux bien. On a des armures. Putain, j'ai fait que des 25 plus depuis tout à l'heure, j'arrive pas à faire un putain de crochetage quoi. Alors, un capuchon de la trame, enchantement arcanique, vous bénéficiez d'un bonus de plus 2 au DD de jet de sauvegarde contre vos sorts ainsi qu'à leur jet d'attaque. Ah. Vous bénéficiez d'un bonus de plus 2 au jet d'attaque et au jet d'initiative et au test de perception et détection des pensées. Donc ça sert à rien. D'accord, sinon il y a plein de trucs d'alchimie, je prends tout. Parce que là j'ai un truc très rare, donc à moins que le tien soit mieux. Bah il est très rare aussi. Et il fait quoi, rappel? Plus 2 DD au jet de sauvegarde contre tes sorts ainsi que leur jet d'attaque. Ouais, ça sert à rien. Mon perso il a marché sur la table au pif. Hein. Je t'ai filé plein de trucs, une mire, parce que t'étais le premier dans la. Que c'est, mais tu m'as filé une torche.
Ouais, mais elle a l'air bien. Ouais, elle est cool. Attends, je vais... Voilà. Elle est classe. Ah, tu la veux? Bah, pourquoi pas. Hein. Attends, le problème, c'est que... Ah, mais si, je peux la mettre en emplacement de torche. Incroyable, vas-y, bah, envoie. Oui. Eh bah, c'est écrit torche de révocation. Peut-être que dans l'intitulé, il y avait un indice. Incroyable. Boom. Oh, pourquoi il est bleu? Qu'est-ce qu'il y a quoi? Attends. Qui c'est qui est bleu? Qu'est-ce qui s'était passé? Bah, je sais pas, il y a eu un espèce d'effet bleu au-dessus de la créature là, mais je sais pas. Mais des esprits qui vont et viennent au fur et à mesure de trucs dans ce. Ah ok, on va à l'étage. J'y vais déjà. D'accord. Ah. J'ai crocheté. J'en ai profité pour crocheter son coffre derrière lui hein, au passage. Ouais, on l'a vu. On l'a vu à l'arrière. J'ai galéré pendant 10 ans à faire un 25+. Là, c'était 15, je l'ai fait 30. J'en peux plus. Ah. Oh, un autre. S'il y a un Jean à qui parler, vous me laissez faire. Hein. Bah, il y a un machin là déjà. Une espèce de truc chelou. Hein. Bon, hé, crocheté là. Ouais. Qui a pas kiffé que tu crochettes? C'est sympa la cadavre. Déco ici. Ah bah, oui. Ah, il a un sacré. Collection. Ouais. Ouais. Ah, attendez, attendez. Il y a un mur en pierre là. C'est ça, Et une trappe. It's a trap. Mais on est où là? Dans l'arrière-boutique. Ah, là on est dans le sous-sol. Oh, c'est louche sa mère. Hein. Ouais, carrément, maintenant, parce que. Dans la boutique d'un zombie. Enfin, d'une momie. Un seigneur momie. En tout cas, il a de l'alcool. Ouais, mais il y a plein de compos par terre. Ah ouais. Alors, des potions de guérison, des potions de communication, une huile d'imprécation. C'est pas mal ça. J'arrive pas à atteindre l'herbe en haut là. Moi non tiens, plus. Mulmire, je vais t'envoyer l'objet dont tu rêves depuis la nuit des temps. Un savon. Ah oh, mais non, mais c'est un nul. Ah bon? Bah oui, ça c'est un des géants des collines, alors que maintenant moi je suis au... Je tourne à l'élixir de géant des nuages. Excusez-moi monsieur. Ah ouais, je passe à... Comme cela pète. Ça me fout 27 de force au lieu de 21, donc... Ouais, enfin c'est mieux que rien si on manque d'élixir. Ah bah oui, pas le contraire. Y'a un livre là sur les momies. Je l'ai lu. Ah, et alors? C'est rien d'intéressant. Y'a une jambe et un bras coupé, ça vous intéresse? Y'a une main aussi. Attends, y'a pas un... Mais je peux pas l'atteindre. Attends, vas-y. Est-ce que si je monte sur le tonneau? Je peux pas monter sur un tonneau. Le nain prend la hauteur. Non, c'est des caisses. Mais là-bas, il y a des caisses, attends. Et si tu montes dessus, là, tu peux pas l'attraper, le bidule. Ah! Bien, envoyez-moi tous vos ingrédients, les amis. Ah, j'ai pas trouvé des trucs de fou. Moi. Paf. C'est fait. Oh. Moi, je suis c'est la punite.
Et vous avez récupéré. Y avait pas des jars ici? Voilà, Jean-Michel? Ouais. ou Jérôme. En ce moment, l'actualité, c'est Jérôme. Jérôme Jarre. Ouais, un influenceur qui a fait je sais pas quoi sur les Rohingyas. Hein? Une espèce de coup de com pour comment ça s'appelle? Une tribu. Action. C'est pas une tribu amérindienne ça, les Rohingyas? Non, c'est une tribu. Ah non, oui, non. C'est en Indonésie. En Indonésie, oui, ceux qui se font barave la gueule par les hindous, si je me trompe pas. Ça, ah non. Et réfugié au Bangladesh, c'est un influenceur qui a fait des récoltes de fonds et qui a un peu disparu après coup. Une avec l'argent? J'ai pas tout suivi, mais. Oh le faquin! Pas tout suivi, donc j'ai pas envie non plus de dire des conneries, mais. C'est pas grave, personne ne nous regarde. Mais là, il y avait une. Comment ça s'appelle? Une série qui est sortie là sur Prime, sur lui, genre le. Love Army ou une connerie comme ça, je sais pas. Et donc, il y a des trucs bien ou des trucs pas bien? T'es en combat là ou c'est moi? Je viens de comprendre qu'il ne fallait pas monter à l'étage apparemment. Alors on vient de l'étage. Non, il y a un étage encore d'après. Ah! Il n'y a pas des tonneaux qu'on peut tout faire péter là? Ah non, il y a tout qui est rangé dans le camp. On arrive. Mettez-vous en fufu peut-être. Je suis en fufu. Attendez, je tue celui d'en bas comme ça moi vous pouvez monter un peu plus loin. Je fufute. Attends. Voilà, bah c'est bon si tu veux, Non, tu vas rentrer en combat juste là en bas, c'est chiant pour toi. Regarde, mais moi, mais je peux te calmer. Vas-y. Je le calme comme ça. Et celui-là. Oui, enfin, ça de. Je suis toujours visible. Bon, on va voir si je me fais repérer. Ah non. Oh, il m'a assis. Bonjour. Hé hé. Bibou, 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 barpé, barpé. Oh bah. Non! Attends, je peux le taper moi. Ouais, mais je suis hors portée. Ouais, mais tu peux tirer sur l'autre. Oui. Alors que moi j'avais commencé à taper déjà donc je pouvais pas tirer. Eh! Bah, je trouve que Arda était fortement utile. Oh, j'avais lu. Y'a un perso qui s'appelle. Qui a un nom un peu. Rectus. Red Carmine Mask. Ouais, il y a plein d'objets. Y a un piège. J'ai pas l'impression, je peux pas. Y a pas de désamorcer dessus. Il s'est piégé. Gars, faut faire un test d'arcane. Pourquoi c'est moi qui. Ah, bah j'ai réussi. Eh. 19 sans bonus, il fallait faire 15. Allez hop. Ça, c'est sur note le toit, là. Ouais, tiens, allez hop. Bon, du coup, on a fait le tour ici. Oh là, tiens, mais... Arda, voilà le papier là. Trouvez le serviteur du Mystique Carcasse, journal de quête mis à jour. Ouais, j'ai envoyé un papier que j'ai trouvé sur le cadre. Une vue sympatoche. La France ah ouais. Vers le dernier, nous ne resterons pas plus longtemps ici, Carcasse n'est pas tout puissant. Rassemblez tout l'argent que vous pourrez et donnez-le moi, je vais acheter un petit bateau et nous ramerons tous ensemble vers la liberté. Dispersez-vous et restez cachés jusqu'à demain soir, puis rejoignez-moi à l'endroit habituel sur la plage. Pour l'amour du ciel, ne laissez pas ce monstre voir ce message, avalez-le s'il le faut. Gloop. Augustus Gloop. Ouais. La vue elle est vraiment très très belle hein, de là où tiens. On est. C'était... Mon très cher nain, je t'envoie un truc que tous les nains ils aiment. Ah, de l'or. Un lingot d'or. Ah, je suis trop content en plus. Là, il y a un pote qui va nous faire un JDR avec que des nains. Est-ce que ça vous dirait de cleaner, enfin, passer sur les espèces de docks là qui sont à l'est. Comme ça, on a fini toute cette zone après. Là. Ouais. Comme ça, au moins oui. Toute cette zone c'est fini, on en parle plus. Oui. Attends. Comment t'as réussi à monter là-haut toi? Ah, je suis ça. Hein. Je suis un funambule. C'est un ninja. Attends, tu peux nous faire. Merde, trop tard. Perso. Attends, mais il a Featherfall tout seul le petit salaud. T'as pas un rituel Featherfall toi, Arda? Non. Bon. Je vais donc me ritueler Featherfall tout seul, je pense. Ah, Sinon, je file les bottes à quelqu'un et.
Non, non, mais j'ai compris, hein, on va... Voilà. C'est bon, j'y suis. Et nous, on fait comment pour descendre? Bah tu te démerdes. Tu te démerdes comme tout le monde, j'ai l'impression que c'est la nouvelle strat. Okay, mais pourquoi à chaque fois que je vais à un endroit, je enclenche des combats, j'en ai marre. Mais t'es en combat avec qui? Mais dis, oh, dis. Mais c'était pas de poisson. Mais non, non, c'est des sexu cuisine. Ciao, gagne. Bah, j'arrive, TD. C'est des sexu cuisine. Des sexu cuisine, c'est des sushis. Chasseur, ciao, gagne. Ciao, gagne. Ouais, c'est ce que j'ai dit, c'est bon. Mais voilà, pourquoi le gamin il est pas content? Ça va. Ah non! Wow. Ah, t'es en combat de loin là. Ouais. Par contre, je peux. Bon. Je peux jumper peut-être. Les pousse pas trop loin. Et les pousse pas dans l'eau? Non, mais ils reviennent. Hein. C'était pour tester. Mais pourquoi tu fais ça? Qui? Mais je vais faire des AOE moi. Mais je vais les esquiver tes AOE, Arda, oui. Tout va bien. C'est vrai. J'ai déjà, bon, ils font pas mal alors. Au pire, ils meurent. Hein. Parce que là, moi je suis à péta au schnock et regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Ah, je crois que j'ai tué un paysan. T'as attaqué ou pas Arda ou c'était juste moi là? Non, c'est bah t'as vu les trucs. Est-ce que tu fais des AOE de glace? Non. Bah voilà, c'était moi. Ah, mais c'est ton Myrmidon qui a fait ça? Oui. Incroyable. Et je crois que j'ai tué un pignouf. Ils ont des. Eh, incroyable! Ça c'est pour Mulmir, ça. Je reconnais. Waouh, waouh. Tiens, ça aussi c'est pour Mulmir. Oh. Bon, sinon vous passez votre tour. Ah bon, c'est fait. Ouais. J'ai rien servi. Ah, ok, j'ai compris comment ça marche. Putain, il met tellement longtemps à mourir, hein. On dirait un coréen. Un coréen? Mais tu sais, dans les films coréens, là, ils prennent 3 heures à mourir. Ah ouais? Ah, mais c'est pour ça que je les ai tous one shot, ils sont vulnérables aux dégâts de froid. C'est logique, ils viennent de l'eau. Bah oui. Renenzi soif de sang. Eh, mais une mire, ils viennent sur toi. Eh, c'est trop bien, viens copain. Je crois qu'ils ont pas tout compris le concept. Ah, il a pas compris que surtout j'avais une épée plus grosse que la sienne. Il faut qu'elle lance. Oh, la taille qui compte. Alors. Ça, pour te rassurer. Ouais. Je sais pas qui c'est qui l'a mis par terre, mais j'apprécie beaucoup. Qu'est-ce que je peux lui mettre dans la gueule pour bien lui faire mal? Voilà. Moi ça s'arrête là. Ah non mais attends, paf. On va le taper, on va l'attendre un petit peu là. Non. Ah. Ah c'est tout. Et les autres ils sont. Vous noterez que les trucs qui sont tombés dans l'eau on peut pas les looter hein. Bah non. Tu vas looter quoi dessus? Genre ah ouais c'est pas grave. Oh lui il a un saphir, il y a des perles, il y a des bagues. Il a un sac qui pue. Ouais super, le gars il avait des poissons dans son sac. Bon c'est bon, toutes les catins du coin sont à nos pieds là. Ah, ah c'est marrant ça. Y'a une nana, elle nous a vu combattre, elle était en mode « Oh vous étiez formidable !» Okay. J'ai une lettre en gros qui fait comment dire un petit... Un petit clin d'œil à mince le gros trône là où l'endroit où on était allé là qui était à Gortash sous l'eau. Ouais.
Si tu lis ça, je suis probablement mort, coincé, enfin ouais, coincé sous l'eau par des tarés et des poids. Fishfox. Et les fishfox. Des explosifs partout, pas moyen de sortir. Je prie pour de l'aide, Marjorie, Kitten, Holly, je vous aime tous. Bah elle est morte. Qui c'est, Marjorie? Bah oui, je suppose. Ah ouais, elle s'appelle Rossina. Bon, ça c'est fait. Bon, on a juste tué un gamin, ça va. Oh, si ce n'est que ça, ça va. Ah, de toute façon, c'est POC, hein, bon. On est allé dans cette baraque ou pas? Non. Ah oh, putain, j'ai déterré un coffre et le PNJ, il l'a récupéré. Sérieux? Quoi? Je crois pas, non. Je crois que le PNJ va crever, moi. Je crois qu'il a pas bien compris comment ça allait se passer. Alors, je suis camouflé, bonjour. Ah. Journal mis à jour, t'as trouvé un mec? Ah bah j'ai trouvé le zombie. J'ai trouvé le zombie. Y'a quelqu'un qui veut un sac qui pue ou pas? Attends, j'essaye de le voler, le coffre, mais pour faire 21, c'est compliqué. Mais je peux. Oui, mais t'as encore assez de m'écouter avec ton meilleur médon, non? Non. J'arrive. Je me mets au corps à corps si jamais il y a besoin de parlementer. Par rapport à quoi? On s'en fout. Attends, mais vous êtes. Ah non, il faut le ramener. Mais non, bon. Il faut le ramener mort. Ah, faut le ramener mort. Arda, à ton avis, je le tape. Mais non, il a volé ton coffre. Oui, t'as fait. Il a dit, il a très envie de vous ramener à la maison. Pourquoi tu veux pas lui dire ça? Mystic. Carrion. You're working for him. Oh no. No, no. I knew he wouldn't let us leave in peace. You don't have to help him. He's the one you should be after, not me. Ah, mais faut pas qu'il s'inquiète. Une fois qu'on aura fini avec lui, on s'occupera de la momie. On peut très bien faire les deux. Made a deal with him. You think I asked for this? Voilà. Alors, il y avait quoi dans ce coffre? Oh! Oh bah écoutez. Tiens. Je pense que tu les as déjà, mais sur le principe, c'était des sorts assez chouettes. Oh. Un coffre! Sors-nous, dis donc. Ça c'est bien. Y'a quoi par là? Y'a des trucs là. Bon, on m'a dit que j'ai volé un truc, je m'en suis tiré avec mon bagou légendaire, bien évidemment. Pourquoi je ne peux que les taper ces gens-là, on m'explique? Parce qu'ils sont méchants. Ah, mais pourquoi ils sont méchants? Parce que. Réfléchis pas à t'appeler. Moi je veux bien, mais. Tu veux pas essayer de leur parler? Alors c'est qui? C'est quoi? C'est. Bah là, à côté de nous, là, sur le ponton, là, dans la pagode, là. Sur le ponton? Y'a des gens? Ah, y'a deux pégus, là. Qu'est-ce qu'ils veulent? Bah je sais pas, mais moi je les vois en rouge. Moi je les vois en jaune. Bon bah, parfait. Carrion was just stood there. Il m'envoie bouler, hein. Et cause au gars. Qu'est-ce que je dois faire du coup? Bon, suis ton cœur. Bah justement, qu'est-ce que je dois faire du coup? Il m'envoie bouler aussi. Bah t'as envie d'avoir de la thune, t'as envie de savoir comment le mec il fait pour revenir à la vie ou? Bon, de cette histoire, où est passé Katox? But I've been watching him, trying to figure it out, and I think he's a mummy lord. Ah, lui, il a pas le tout le type. Ouais, ça. Eh ben, nous, on savait que ça, mec. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Un petit truc en dessous de son prénom, quand on met son cou sur dessus. Regarde, c'est écrit à côté de son prénom. Comment ça, son prénom? Bah, au-dessus de sa tête. Nani. It's an ancient, evil being who refused to die. Who cannot die. I used to hear about them in stories, and... Il peut pas mourir s'il finit en tas de cendres. Il peut pas mourir, je prends ça comme un challenge. Ah
Bon, j'ai l'impression que mon perso est un peu buggé, hein, je vous avoue. J'ai pas tout compris ce qui se passait, mais bon. Ah, vous s'est mis à commercer avec le mec parce que je vois plus de dialogue. Non. C'est à moi ? Non, je parle à Katox. Ouais. Réponse sélectionnée, un seigneur mon point d'interrogation. Ah, je sais pas, il y a eu un patch non récemment là, du jeu là, c'est quand même bien buggé du cul. Soit ça, soit c'est ma coupe merde qui fait tout le monde. Donc on a pour mission de mettre un terme à l'immortalité de l'autre, c'est ça? Ah bah je crois qu'il a chié son... ton corps. Ah bah tiens, c'est pour moi. Cette clé elle est pour moi, je sais pas ce que c'est mais c'est la mienne maintenant. Non, il y a Katox qui s'est jeté pour récupérer le vase calope là. Oui, non mais moi j'ai chopé la clé qui était sur la... sur le tapis. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va revoir le carcasse. Déjà on met fin à l'épisode. Allez, pas vous les deux. Et ensuite on va tuer carcasse. J'ai un petit souci. Bon, on réglera le souci juste après. Je vais vous partager un truc sur votre Discord, vous allez comprendre. Allez. A plus tout le monde. Tous des bisous. Tous.